Salut les amis et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de dégustation. Ça faisait longtemps. On est parti, on va déguster les trois sauces Hot Ones plus les nuggets veggie de chez McDo. On va voir, j'ai pas encore goûté les nuggets veggie. On va voir ce que ça donne. Et puis on va goûter les trois sauces Hot Ones, la moins piquante à la plus piquante. Et puis bah voilà, on prend la route et puis on se dit rendez-vous là-bas à la borne. Allez, c'est parti. A few moments later. Nous y est les gars, nous y est. Quoi? Nous y est. Ok, c'est bon, j'arrive au drive là. On va aller mourir. Imaginez une incidence. C'est pas l'heure parce qu'en vrai il est 11h. Mais si, 11h, il est bon. Ça va devoir donner. Ça va payer. Bonjour. A few minutes later. Bonjour. Bonjour. Je vais vous prendre. Au fait, des nuggets veggie par combien s'il vous plaît? 9 et 20. Mettez-moi 6 avec les 3 sauces Hot Ones s'il vous plaît. Ça marche avec ceci. Ça sera tout. En carte bleue s'il vous plaît. Ça fera 0,55€ pour chaque guichet. Merci. One eternity later. Merci, merci beaucoup. Bon courage, au revoir. On va s'arrêter sur un petit parking. Bon, on va rester sur ce parking là, il n'y a pas trop de monde en vrai. Ok, les gars, c'est bon. J'ai là, tout là-dedans. Donc, les 3 sauces Hot Ones qui se présente comme ceci. Donc derrière et devant. Relevez le défi avec les questions piquantes disponibles sur l'app McDo+. Bon, flemme, je vais pas la télécharger. Mais en bref, là ici on a les nuggets. Nuggets veggie. Voilà. On va goûter hein. Puis là, on va goûter les nuggets veggie. En vrai, ça passe, c'est bon. Mais ça sale le goût de friture. Nature comme ça, ça passe quoi. Pour une petite dalle, ça passe. On va ouvrir les sauces. Hop. Alors, niveau 1, El Pinata. On a les sauces qui sont juste là et chacune à son niveau. On a la première qui est celle-ci. On a la première qui est celle-ci qui est niveau 1 El Pinata. Et dessus, bon, il n'y a pas de truc, il n'y a pas de description de sauce. Après, on a la 2, la Taïtoa. La niveau 2 qui est la Taïtoa, juste ici. Ok, et la niveau 3, la embrase-moi. Ça, c'est la niveau 3. Ben, on va respecter l'ordre, les gars. El Pinata, on va l'ouvrir, on va regarder un petit peu l'interne. Ah, elle est orange. Ah, ça, c'est orange, les gars. Caché pour faire le point. Voilà. On va prendre un petit nugget et on va y aller franco. Hein. Voilà. C'est parti. Un bal pimenté, relevé bien comme il faut. Un petit goût de barbecue dedans, très très bonne celle-là. Oh, la première, je valide de fou. Un très très bonne, elle est dingue. La première, elle est dingue, les gars. Waouh, la première, c'est le dosage parfait entre le piquant et pas trop et un bon goût de sauce. El Pinata, El Pinata validé. Oh, je valide. Je valide El Pinata. Et la Taïtoa. La Taïtoa. Sauce plus... La couleur fait un peu plus peur. Quoi. Voilà. On va tremper les nuggets dedans. On en prend bien. Voilà. On va bien goûter la sauce. Hein. On va bien rentrer le gâteau, les gars. Allez. Là. Un peu moins fin du goût. Hein. Waouh, ouais, on monte en niveau là. Waouh! Waouh! Voilà, de sa mère! Ah! Ah! Oh my god, man! Wouh! Oh ouais, ras sa mère, hein!
Ah, je valide pas du tout la 2. Oh, sa mère. Oh, poids, la 2, sa mère, elle arrache. Wouh, faut que je mange. Wouh. Toi. Ah, ça brûle. Wouh, j'ai pas d'eau, j'ai rien. C'est chiant. Oh, la 3, elle va être quelque chose, hein. Pouf. La première, c'est pépite. La deuxième, c'est dynamite. Wouh. Wouah. Hardcore, hardcore. J'ai rien pour me laver la bouche et tout. Les gars, je bave. Ouah. Désolé pour les bruits, les gars. Pardon. Ça, ah, ça pique sa mère. Ouah. Elle arrache. Elle arrache sa mère. Voilà, 2. Elle tape, hein. Elle cogne. Bouf. On va manger la embrase-moi, les gars. On est parti pour la embrase-moi. Oh, la couleur, elle fait encore plus peur que l'autre et elle est encore plus liquide. Ce que vous voyez ou pas. Voilà. Petite nugget, allez, on enchaîne. Voilà, même l'odeur, elle fait rep, mon gars. Ouais, j'en ai mis, hein. Regardez. Bon. 1, 2, 3. C'est une blague. Celle-là, elle aurait dû être en 2. Même en... Bah, pas en 1. Mais la 2, elle arrache 10 fois plus que la 3. Ça pique, hein. Mais c'est léger. C'est un peu plus fort que la 1, mais deux fois moins fort que la 2. Hein. Ils se sont trompés de place, hein. Il y a un petit retour arrière là, dans le palais quand même qui fait que... Ouais, non. Ah, la 2, elle pique beaucoup plus, hein. La 2, elle pique beaucoup plus que la 3. La taille-toi, elle pique beaucoup plus que la... Que la embrase-moi, hein. Il y a une erreur dans les comptes, là, hein. Bon, je reprends du 1, les gars. Le 1, il est pépite. C'est un peu... Le 1, ça passe tout seul. Mmh. Ouais, le 1, il passe tout seul. Ah ouais, ça fait du bien. Oh, t'as mal à bouche, là. Mmh. Mais celle-là, les gars, là. Oh là là, la taille-toi. Ah ouais, ça porte pas son nom. Taille-toi vite, hein. Pépite numéro 1. La Alpinata, c'est parfait. C'est bien dosé. Ça passe bien. Regardez, je reprends même, les gars. Les gars, impossible, je reprends de la 2. Hein. Impossible. La taille-toi, là. Pouh, méchant. La 1, pépite. La 2, méchant de méchant. Et la 2, et la 3, bah, il y a une erreur dans les comptes. Hein. La 3, elle devrait être en 2. Parce qu'elle pique pas. Elle pique. Mais moins que la 2. Donc il y a une erreur dans les calculs. Hein. Pas bon. Pas bon ça. On se fait le dernier nuggets à sec pour laver le palais parce que ça picote. La 2, elle m'a arraché, les gars. Heureusement qu'elle a 1 pour un petit peu venir soulager. Mais la 2. Pou 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 pou. Ça fait mal. Vidéo dégustation des sauces Hot Ones avec en partenariat avec McDo, c'est fait. Très cool. J'ai apprécié la 1. La 2, elle arrache sa mère. La 3, ça arrache, mais moins que la 2. Donc voilà. On chute un petit peu dans la montée en pimentation. Mais à tester. La 1, vous allez kiffer, les gars. Si vous n'aimez pas manger pimenté, même la 1, ça va vous arracher. Si vous kiffez moyennement manger piment, la 1, elle va passer. Si vous adorez le piment, si vous êtes des fans de piment, la 2, c'est fait pour vous. Vous pouvez en mettre dans le petit café, si vous voulez. Mais voilà, n'hésitez pas à liker, à commenter et à partager la vidéo si ça vous a plu. Et à vous abonner, on se retrouve pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à me dire si vous avez des petits tests à me faire comme ça, là. Des petites dégustations qui vous feraient plaisir qu'on teste ensemble. N'hésitez pas à le dire en commentaire. Ciao l'équipe.